Avec l'arrivée du printemps, vous êtes nombreux à aller vous ébattre sur l'herbe nouvelle. Et voici qu'au retour, vous découvrez avec surprise des traces rouges sur votre visage, sur votre torse, qui évoquent la forme des plantes. Une nouvelle forme d'allergie? Non, une dermite des prés. La dermite des prés est effectivement une atteinte de la peau qui survient chez des personnes qui se sont allongées la peau humide sur l'herbe des prairies dans les 24 à 48 heures auparavant. Elle est caractérisée par l'apparition de stries rouges recouvertes de petites cloques d'eau qui forment le calque exact des plantes et de leurs nervures sur laquelle la personne a couché sa peau nue et humide. La dermite des prés ne correspond pas à une allergie, mais à une photodermatose, c'est-à-dire à la rencontre à la surface de la peau entre des substances toxiques contenues dans les plantes et puis des ultraviolets transmis par le soleil qui vont les activer et les rendre agressifs. Ces dermatoses affectent également certaines professions et toutes celles qui sont amenées à manipuler des légumes et des végétaux comme les maraîchers, les jardiniers. Elles surviennent en particulier lors de la manipulation du panais, de fenouil, des fans de carottes, du céleri, mais aussi de la bergamote, du citron vert et encore, que à dire, peut-être de la moutarde ou des boutons d'or et de la figue verte. Les personnes qui sont sensibles à ces phénomènes doivent également savoir qu'il faut éviter de se mettre du parfum avant que d'aller s'exposer pour un bain de soleil. Issues de substances et de plantes parfois photosensibilisantes, eh bien, partout où elles auront appliqué leur parfum, elles risquent de voir apparaître d'étranges traces rouges. Si elles l'ont appliqué avec un vaporisateur, eh bien, cela donnera l'aspect d'un érythème diffus qui parfois se fera évoquer un urticaire. Quant à la dermite des prés, sa prévention est fort simple. Il suffit de mettre une serviette de bain ou une couverture entre vous et l'herbe lorsque vous vous allongez dans les prés. Certes, cela enlèvera parfois un peu de romantisme à certaines situations, mais cela évitera aussi des traces dont il est parfois difficile de se justifier quand on rentre à la maison.